Salut les amis, c'est Sébastien, très content de vous retrouver une nouvelle fois sur la chaîne Le Monde du Credo. Aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de vous présenter différents produits de la licence Assassin's Creed proposés par la compagnie Nemesis Now en partenariat avec Ubisoft. Let's go! On démarre cette découverte des produits par le serre-livre Assassin's Creed. Comme vous pouvez le constater, un produit, ma foi, super sympa dans sa conception. C'est un produit donc qui est réalisé en résine, peint à la main, qui fait 18 cm de long pour 18 cm de hauteur. Lorsque les deux parties sont rassemblées, puisque oui, hein, il y a deux parties hein, donc dans ce produit, tout simplement bah, pour pouvoir y mettre les livres entre les deux, hein, d'où son nom de serre-livre. Et donc, lorsqu'on les rassemble, bah, l'emblème du credo des assassins donc, est reconstitué. Donc ça, je trouve ça vraiment sympa au niveau de l'idée. Nous avons également en son centre une représentation de la pomme d'Éden des premiers numéros, si je dis pas de bêtises, avec un paint doré très très sympa. Nous avons également en anglais ici la célèbre phrase du credo, à savoir « Nothing is true, everything is permitted », qui veut tout simplement dire « Rien n'est vrai, tout est permis ». Nous avons également différentes gravures très très bien réalisées. Je vous fais voir une partie de plus près pour que vous puissiez justement apprécier toutes les différentes gravures. Nous avons sur le côté l'inscription « Assassin's Creed », l'emblème du credo bien sûr, sur le dessus. Pareil, de l'autre côté, c'est vraiment très très joli au niveau des différentes gravures. Et sur le dessous du socle, l'emblème Assassin's Creed, qu'il s'agit d'un produit réalisé donc en 2020, Ubisoft et Nemesis Now. Et donc nous avons bien évidemment la même chose de l'autre côté. Voilà, donc ça c'était pour le serre-livre que j'aurai le plaisir de vous représenter en visuel donc en fin de vidéo. On passe maintenant au produit suivant. Second produit, les amis, que j'ai le plaisir de vous présenter, il s'agit donc du calice Assassin's Creed. Très joli produit, comme vous pouvez le constater. On est donc sur un produit en résine qui fait 20 cm de hauteur, peint à la main, bien évidemment. Et comme vous pouvez le voir, le paint est vraiment super joli. On est sur une base de paint blanc très très propre. Toute la partie argentée est vraiment bien faite, avec un léger paint noir pour apporter une certaine ombre aux différentes gravures. Donc c'est super joli, je trouve. Je vous fais de plus près pour que vous puissiez apprécier la réalisation de l'emblème du credo et également l'inscription Assassin's Creed qui est vraiment superbe, il n'y a vraiment pas de bavure, c'est génial tout simplement. Au niveau du pied, pareil, on est sur un pied très propre avec un paint argenté superbe également. Les différentes gravures ici mais également au niveau du pied sont très très bien faits. L'emblème du credo est également très très bien réalisé. En dessous donc nous avons comme le serre-livre l'emblème Assassin's Creed, Ubisoft, Nemesis Now. Et petite particularité de ce calice là, mais également des autres produits que je vais vous présenter juste après, c'est qu'on peut vraiment s'en servir pour boire, puisque nous avons dans le haut tout simplement un petit gobelet donc en acier inoxydable qui peut être lavé tout simplement, et qui va permettre tout simplement de ne pas abîmer donc ce calice qui, je rappelle, donc est en résine. Donc vous le nettoyez et hop, on le remet à l'intérieur et on peut repartager une coupe de l'amitié avec nos copains du credo. Voilà, donc ça c'était pour le calice Assassin's Creed. On passe maintenant au produit suivant. On continue les amis dans la catégorie des calices, puisque j'ai le plaisir de vous présenter celui d'Assassin's Creed Valhalla. Superbe produit, comme vous pouvez le constater. On est donc sur un produit également en résine, peint à la main. Il fait 20 cm de hauteur. Mais regardez-moi la qualité de réalisation, que ce soit au niveau du paint. On est sur un choix de couleurs vraiment génial. La qualité donc de réalisation des gravures. Je vous le fais voir de plus près pour que vous puissiez vraiment apprécier. Voilà. L'inscription ici, Assassin's Creed Valhalla, est vraiment superbe. L'emblème est également très très bien réalisé. Au niveau du pied, j'aime beaucoup le dynamisme qu'ils ont donné au pied. Cette courbure comme ça, qui donne un petit effet vraiment très 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 sympa. La réalisation, pareil, des lanières est très propre. Le paint est très propre également. Il n'y a aucune bavure, donc ça c'est vraiment génial. Sur le dessous, nous retrouvons bien sûr l'emblème, Assassin's Creed Valhalla, celui d'Ubisoft, Nemesis Now, bien évidemment. Et comme tous les autres produits que je vous ai présentés et que je vais vous présenter, nous avons toute la partie, le petit gobelet en acier inoxydable qui va nous permettre de consommer du liquide à l'intérieur pour éviter d'abîmer ce magnifique calice. Voilà les amis, on passe au produit suivant. C'est parti.
On est parti les amis cette fois-ci dans la catégorie des shops avec donc la première, à savoir celle d'Assassin's Creed. Très beau produit, hein, donc très belle shop hein, comme vous pouvez le constater. Un produit donc pareil réalisé en résine, peint à la main et qui fait 16 cm de hauteur. Mais très très joli produit hein, comme vous pouvez le constater. Le paint blanc est vraiment très très beau. Pareil, hein, toute la partie argentée est vraiment super bien fait avec voilà un petit paint noir au niveau des gravures pour les faire ressortir et apporter un petit peu plus de relief aux gravures, donc c'est vraiment très très sympa. Nous avons bien sûr l'emblème hein, du credo donc en rouge, donc très joli également. L'inscription Assassin's Creed est également très très bien fait. Au niveau de la hanse, je vous le fais voir de plus près, bah on retrouve hein, bien sûr le célèbre credo, donc nothing is true, everything is permitted. Donc ça c'est vraiment très très bien réalisé aussi. Et en dessous, voilà, comme vous pouvez le voir, pareil, le logo Assassin's Creed, Ubisoft, Nemesis Now. Et comme les calices, nous avons voilà une partie. Donc là bien évidemment il est un petit peu plus gros. Voilà, nous avons un petit gobelet en acier inoxydable qui va tout simplement nous éviter de salir donc cette shop lorsque l'on voudra prendre un petit verre avec les copains. Voilà, donc j'ai fait le tour hein, donc de ce calice, on passe maintenant au deuxième. On enchaîne avec la deuxième shop, les amis, de cette collection Assassin's Creed. Une shop, comme vous pouvez le voir, différente hein, que celle que je viens de vous présenter. Alors, pas différente au niveau de la matière, puisqu'on est dans la résine et on est toujours sur du pain à la main et 16 cm de hauteur. Mais différente, hein, vous l'avez deviné, dans sa conception, dans sa réalisation, puisque pour moi, elle fait directement donc référence au personnage d'Ezio Auditore, puisque elle fait allusion tout simplement au gantelet hein, du célèbre personnage donc de la licence. Nous avons donc un paint hein, comme vous le voyez marron, légèrement texturé hein, qui fait un petit côté cuir, donc vraiment très très sympa. Au niveau de l'emblème du credo, on est pareil sur une réalisation pardon argentée, donc super propre hein, légèrement usé ici, donc ça c'est vraiment génial. Nous avons ici la représentation de la boucle de ceinture hein, donc d'Ezio, donc sur sa tenue hein, bien sûr, et ici l'inscription Assassin's Creed, très propre également au niveau du paint, que ce soit le blanc et le rouge. Sur le côté, nous avons une représentation de la lame secrète, donc ça c'est pareil hein, je trouve ça vraiment très sympa de l'avoir réalisé. Pareil, le paint est vraiment très bien argenté, donc vraiment super propre. Nous avons ici au niveau de la lame, comme vous pouvez le voir, différentes petites gravures, donc très très bien réalisées. De l'autre côté, on retrouve hein, ce qu'on a vu donc précédemment, à savoir la représentation de la boucle de ceinture, l'emblème du credo, l'inscription Assassin's Creed, donc très bien fait également. Ce que j'aime beaucoup, c'est au niveau de la hanse, puisque cette partie-là ne fait pour moi en tout cas référence à l'épée d'Altaïr, puisque nous retrouvons la tête d'aigle ici. Donc très sympa. Et au niveau du pommeau, hein, voilà, nous sommes pareil sur un paint marron qui fait un petit effet cuir, donc très 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 joli. Sur le dessous, on retrouve pareil, hein, donc l'emblème du credo, donc Assassin's Creed, Ubisoft et Nemesis Now. Et comme tous les autres produits, nous avons hop ici toujours le petit gobelet en acier inoxydable qui nous évite d'abîmer la shop pour lorsque on l'utilise pour boire un coup. Ok, ça marche les amis, donc ça c'était la deuxième shop. On passe maintenant à la troisième et dernière. Troisième shop les amis, et c'est pour moi ma préférée, alors ça ne reste que mon avis bien évidemment, il s'agit, vous l'aurez compris, de la shop d'Assassin's Creed Valhalla. Comme ses petites sœurs, donc elle est réalisée en résine, peinte à la main et 16 cm donc de hauteur. Mais regardez-moi, admirez-moi la qualité de réalisation au niveau des différents paints, l'utilisation des couleurs est juste superbe hein, voilà, j'aime vraiment beaucoup cette shop. Nous avons donc l'emblème du credo, donc Assassin's Creed Valhalla, très très bien réalisé avec un paint vert bleu turquoise, vraiment superbe. Nous avons également l'inscription Assassin's Creed Valhalla, très bien réalisé également. Ici nous avons la présence du petit écusson qui est également présent donc sur la tenue d'Ivor, donc ça c'est vraiment superbe. Et également donc sur la partie un peu plus foncée, la partie bleue, alors je sais pas si vous le voyez bien, mais en tout cas nous y retrouvons les différentes créatures hein, que ce soit ici et sur ce côté là hein, voilà, les différentes créatures qui
qu'il y a donc au niveau donc de la jaquette Assassin's Creed, et notamment et vous le voyez dans le petit visuel de la photo d'accueil lorsque l'on ouvre le jeu. Donc on y retrouve hop, les différentes créatures qui sont également réalisées sur cette shop là. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. De l'autre côté, bah on y retrouve bien sûr bah les différentes choses hein, que je viens de vous évoquer. J'aime beaucoup également toute la hanse. Regardez-moi la qualité de la hanse. Je vous le fais voir comme ça. Voilà, c'est vraiment superbe. On est sur un paint très très bien réalisé. C'est gravé pour donner un petit effet bois, donc c'est vraiment super bien fait. Le paint ici bleu au niveau des lanières est très bien réalisé également. Les petites gravures ici sont très très jolies. Nous avons ici également la présence de différentes petites runes, donc super bien faites également. Sur le dessous, bah, on y retrouve tout simplement les différents logos, donc Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft et Nemesis Now. Et voilà, donc c'est tout pour le dessous. Mais en tout cas, voilà, ça reste en tout cas pour moi une très très belle shop à avoir dans sa collection si vous le pouvez, bien évidemment. Et je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la description de la vidéo pour vous les procurer. Voilà les amis, donc ça va, c'était tout pour les différents produits. Je vais maintenant vous proposer différents visuels des produits que je vous ai présentés, et on se retrouve comme d'habitude à la fin pour conclure. À tout de suite. Stand by. Resetting firmware. Les amis, pour conclure cette vidéo sur ces différents produits de la licence Assassin's Creed proposés par la compagnie Nemesis Now, ce sont pour moi en tout cas de merveilleux produits, hein, que ce soit les shops, les calices ou même le serre libre, c'est vraiment du super qualitatif. Si vous avez aimé découvrir ces différents donc, produits en ma compagnie, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et bien évidemment à vous abonner à la chaîne Le Monde du Credo. Sur ces belles paroles, je vous dis à très 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 bientôt les amis, et comme on dit au temps des Vikings, Skål !